Bonjour à tous, c'est Michel Sprint. J'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du coffret Latias. Donc, mais avant ça, je vais vous montrer. Donc, je me suis fait une petite ouverture d'un booster Tonnerre perdu ce week-end. Alors, par contre, j'ai pris qu'une seule illustration parce que normalement j'ai le TB qui va bientôt arriver. Mais je voulais absolument m'ouvrir ce petit booster Celebi. C'est vraiment mon illustration préférée, il est magnifique, il me fait beaucoup penser aux anciens boosters. Donc je vais vous montrer la pioche, hein. Je l'ai déjà ouvert mais je vais vous montrer vite fait. Donc je vais remettre les deux cartes dans le fond, parce que du coup c'est... Ouais, on va faire comme ça. Donc j'avais eu une énergie acier, Malos, Natu, Germignon, que j'aime beaucoup, Funessir, Ambrilex. Donc j'aime bien l'illustration, mais je préfère la seconde. Amulette féerique, Magearna, qui est magnifique, Capoeira. Donc ça c'était la première carte, hein. Je j'ai pas remis tout à fait dans l'ordre. Donc, il y a vraiment une super belle illustration. Donc, Capoeira en reverse. Et j'avais eu. Donc, Mandrillon holographique. Donc, qui est très sympa. Très très bien dessiné pour le coup. Donc, Mandrillon, c'est un Pokémon que j'aime pas trop. Je sais pas, je le trouve bizarre. Par contre, je l'aime énormément en Shiny. Là, il fait vraiment guêpe, il fait vraiment badass, il est super bon shiny. Par contre, en violet, qui est pourtant ma couleur préférée, je sais pas, j'ai un petit peu de mal. Donc bon, c'est comme ça. Donc voilà pour le petit booster, donc j'ai hâte que le TB arrive. Parce que c'est vraiment une série magnifique. Donc j'espère surtout avoir les évolutions dedans. Et enfin, il y a beaucoup de cartes que j'aime beaucoup, hormis les ultras. Donc on va passer au coffret Latias, donc que j'ai eu chez Carrefour. Donc le packaging est vraiment sympa, je trouve. Donc on a une carte promo holographique avec des points et on a un pins. Donc niveau l'holographique, j'essaie de trouver des cartes avec des spirales. Donc j'ai réussi à trouver le Latias et le Latios. Donc on se déblise tout ça. Voilà. Donc la carte promo. Donc je la trouve vraiment sympathique cette carte. Mais je préfère la Latios, pardon. Donc là la spirale, elle est petite, elle est ici. Je l'ai pas trouvée en plus prononcée. Par contre, la Latios, vous verrez dans la prochaine vidéo, elle est bien plus prononcée que ça. Alors, c'est la SM 135. Le Cookie Saito. Alors, le petit pins. Donc, j'aime bien aussi les collections de pins. Donc, et en booster, on a donc un Reshiram, un Dracolos et un Dracaufeu. Donc, bon, on va se les ouvrir dans le sens là. Donc, j'espère que pour vous, les ouvertures sont correctes. J'ai commencé à avoir quelques box évolution qui ont des contenus pas trop mal, donc ça fait plaisir. Donc c'est parti. Donc une énergie de combat. Reptincelle. Amaryllis. Lokhlass. Axolotl, Hippotramp, Krakenoa,
Tilton. Tritox. Bébé Kai en reverse. Et. Donc, dernière chance d'Auguste en holo. Ah, donc je laisse closer, je vais essayer de l'ouvrir à l'autre côté. Voilà. Alors, une énergie feu. Donc désolé s'il y a un petit reflet parce que là il fait vraiment pas beau, donc j'étais obligée d'allumer la lumière. Crocodile. Ah, donc le libégon. Donc il me semble que je l'avais déjà tiré une fois, donc je le donnerai à Alice celui-ci. Amaryllis. Le Salamèche. Drabi. Tilton. Poussifeu. Vibranymphe. Ah, donc Brazegali en holo reverse. Ah génial, donc le Dracaufeu en holo. Voilà, je suis bien contente parce que j'arrivais pas à tomber dessus. Donc ça fait bien plaisir. Donc on finit avec le booster Dracaufeu. Alors, une énergie électrique. Deru Macho. Hypocéan. Galifeu. Flamiaou. Mini Draco. Daru Marron. Hippotrempe. Barpo. Poussifeu en reverse. Et donc pour finir. Bah, Brazegali en holo. Bon, bah, je suis quand même contente de ce coffret. Donc, pas d'ultra, mais donc, c'est pas trop grave. En espérant quand même que le coffret Latios soit un petit peu plus chanceux quand même. Donc, je vous remontre la promo. Donc là, prochainement, donc, j'ouvrirai le TB donc Zeraora. Au niveau de mes commandes, bah là je viens de faire la commande de Noël chez Piazza. Donc j'ai pas mal craqué vis-à-vis de Noël. J'ai aussi acheté quelques items de la collection Mofu Mofu Paradise que j'aimais pas trop au départ parce que il y avait tout le temps les mêmes Pokémon. Mais j'ai quand même craqué. Sinon au niveau des Kutari, bah, ça vient d'arriver donc je vous montrerai tout ça un petit peu plus tard. J'ai pas mal de vidéos de prévues là. Et puis donc bah, pour les cartes, donc le TB, je vais essayer aussi d'avoir la valisette Pikachu Evoli. Et le coffret Dracolos, que j'ai toujours pas commandé, enfin je me dépêche un petit peu. Donc voilà pour le planning de novembre. De votre côté, bah, je vous souhaite à tous de très bonnes ouvertures. Prochainement, on s'ouvrira le coffret Latios. Sur ce, bah, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt.